Est-ce que vous êtes content de vous être réveillé aussi tôt? Voilà, allez, c'est parti. Donc on va faire ça directement sur elle. Ah, c'est beaucoup plus simple, le truc à lâcher, donc voilà. Allez, c'est parti, on fait moi un massage cardiaque déjà. Oh là là, mais elle est star! Non, mais t'as perdu combien de poids, frérot? On te reconnaît plus, c'est une baguette! Oh, mais elle fait combien, votre pote? Elle s'alimente plus? Merci, les gars. Bon, ben, merci beaucoup pour le plaisir. Bah, à peu près un an? Ouais. Tu la connais, on est en soirée clientèle avec elle, ça va l'hôtel ça? Mais oui, ça va. La clientèle, ça fait bizarre de ça. Bon. Ouais. Allez, à moi. Ok. Essaye d'être présentable un peu. Allez, oh, elle est assez règle. Là. Assez règle. Bien. Corinne. Ok. Vas-y, tu fais ça. Allez, plonge le nez, hop, sous la manche. Encore, sous le nez. Madame, tiens, troisième âge. Oh, gentil. Allez. Mesdames et messieurs, ce soir, enfin cet après-midi, ce matin, bon, ça y est, c'est l'heure, c'est officiellement l'heure. Qu'est-ce que je vois devant moi? Je suis en train de faire les photos, de rencontrer tout le monde. Il y a des banderoles. Oh là là, Jérém Star, One Man Show, je hurle. Vous êtes. Alors la nana, je la connais, hein. Elle vient me voir. Nana, t'étais à Paris. Spectacle très drôle, émouvant aussi. Et tu es égale à toi-même. J'adore. Et la prochaine fois, je ramènerai ma fille de 10 ans qui est fan de toi aussi. Tu comptes revenir? Oui. Oh my God, j'adore. Je suis de Rouen et je reviendrai à Rouen. J'adore, trop ouais. Bien. T'es vraiment une bonne personne et tu m'as fait pleurer. Voilà. Ah, tu pleures encore ou quoi? T'as les yeux qui brillent. Non, mais ça fait bizarre de te voir en face. Un pisseron. Ah ouais, t'as pleuré pendant le spectacle. J'avais quelques petites larmes. Bah, t'es pas la seule. Il y en a eu plein, ouais. C'est très important quand on se réveille le matin et qu'on voit ton sourire, ta bouille, ta bonne humeur, ta joie de vivre. Ça nous met du baume au cœur et on part, on prend la journée du bon côté. Non, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Jérémy. Oh, ma. C'était trop bien, hyper à l'aise sur scène. On voit que t'es à l'endroit qu'il faut. Ah ouais? Vraiment. Je suis fait pour être sur scène. J'adore, trop mignon, puce, merci beaucoup. J'ai 26 ans aujourd'hui. Donc ça fait un moment que je te suis, je t'ai connue, il y avait la Frédéric qui te courait après, il y avait pété dans une pièce à côté, genre je t'entendais crier. Donc tu subissais. Voilà. Donc je lui ai demandé c'était qui, et bah depuis pareil, après j'ai acheté ton premier livre pour te soutenir, puis quand je me suis dit, un manuel pour devenir... une star de réalité. Non, en fait c'est pas trop moi. Puce qui m'avait vu pour ma première il y a donc 2 ans,
à Rennes. Et franchement, c'est une grosse évolution et c'est beaucoup mieux là. Et vraiment, venez en nombre le voir, c'est top. Merci, c'est gentil, merci. Alors là, je sens que c'est une maman qui a aimé son spectacle. Carrément. C'est vrai ? Ah ouais, trop bien, à refaire. Génial. Ouais, super, franchement, génial. J'ai adoré. Déjà, tous les jours, j'y vais. C'est vrai ? Le soir, le matin, dès que je vois... Merci aussi pour tout ce que tu fais contre le harcèlement, parce que moi, j'en aurais eu besoin quand j'étais jeune. J'ai été harcelée toute ma scolarité. Bon, et on n'en parlait pas autant à l'époque. Non, du tout. Je me confie à mes parents, bien évidemment, mais c'est pas la même chose. Ouais. Et du coup, je fais hyper attention avec lui. Ouais. Regardez cette petite puce qui me pleure au nez, ça va ? Elle me faisait acheter tous les canards hein, quand on était en vacances. C'était génial, trop fort. Pour une première, franchement, faut continuer. C'est vrai ? Ah ouais, trop spontané, enfin, tout est drôle chez toi en fait. Oui. T'as juste à être naturel, t'es drôle. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. Oh là, mais ça m'encourage. Et je me suis dit, genre, il est réel. Ouais. Genre, j'étais choquée. Moi, c'est ta spontanéité, quoi. C'est ça que j'adore. Alors, la pauvre, elle en a enduré avec mes expressions que j'ai prises. Tout ce que j'ai. Oh my god, j'ai des fleurs. Son cum en PLS, c'est génial, franchement, j'ai adoré. On a rigolé, on te sent dans ton élément, vraiment, t'es à ta place, vraiment. Merci. C'est un vrai plaisir, en plus. Mmh. Vraiment, j'ai découvert parce que je suis testeuse. Ouais, oui, tous les soirs. Bah, un peu par force, hein. Le spectacle était vachement bien, en plus, on fait des rencontres. Les Jérémy Starlet, on se parle entre nous, on se voit et c'est vachement... Tu fais partie, t'es partie intégrante de la communauté, On est en train de faire, les puces avancer rang par rang, vous voyez, pour pas qu'il y ait trop d'accroupements. J'arrive, les puces. Tiens, c'est tellement incroyable. Ça rend, mais alors trop bien. Qu'est-ce que tu fais, Jérém ? Bah, j'ai pas eu le temps de manger, donc je mange en même temps que je discute. Aucun respect, quoi. Bah si ! Non, mais aucun respect. Oh, c'est vrai. Et ils ont mangé avant de venir, moi j'ai c'est pas bon mangé. C'est bon ? Avant de venir. Oui, c'est bon. Ça a l'air super appétissant. Non, mais j'adore, tu rigoles. J'adore le t-shirt. Jérém Star en couleur, trop bien. Est-ce que je peux filmer ? Attends, parce que j'ai pas vu moi les places avec mon nom. Bah si, bah voilà. Oh, j'allais être venue, hein. J'espère que ça t'a plu. C'est normal, c'était trop bien. Et change pas, t'es bien comme tu es. Voilà. Merci. Et les haters, on s'en fout. Donnez beaucoup de positivité, beaucoup de bonheur en voyant tes snaps. Donc, continuez à nous faire partager cette bonne humeur. Surtout cette positivité. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, on a des coups de mou, même toi. Merci en tout cas de nous faire partager tes peines, tes voyages surtout aussi et ta bonne humeur. Petite Jérémy Starlet algérienne, je te suis depuis 2016. J'adore. C'était un rêve de te rencontrer, de te voir. Je connais ton histoire, ton parcours. Ému. Ému surtout pour les valeurs que tu véhicules. Et non seulement tu nous fais rire, mais aussi tu es présent dans notre quotidien. Et ça me fait énormément plaisir. Merci. On n'arrête pas de m'offrir des fleurs ici. Oh my god, c'est original ça, punaise. Aux couleurs de la Gay Pride. Alors moi je suis venue avec le Pass Culture et vraiment c'est génial, ça permet de taper la place. Et en plus je suis venue toute seule, donc on rencontre plein de gens. Ah génial, c'est vrai que ce Pass Culture c'est top. Hein. Ah, oui. En plus il est valable sur plein de dates de ma tournée, donc c'est vraiment génial. Oui, en plus je suis étudiante. Donc... vraiment ravi, j'ai passé un très bon moment, de l'émotion, du rire. C'était très bien, vraiment très bien. Merci. Qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce qu'elles font ? Elles voulaient sentir l'authentique. Tes aisselles tout à l'heure. C'est l'authentique. Mais non mais c'est bien. Très grande dame, très araignée d'opéra, très pom-pom girl. Mais je crève, j'adore. Mais il y avait plein de Jérémy Starlet, des vrais aujourd'hui. Hein. Et c'est terminé ! 4h30 de photos, j'ai compté. 4h30 de c'est photos vrai. Avec les gens. Et t'as vu, tout le monde est passé. Et 24... Je viens de terminer de rencontrer tout le monde. J'arrive même plus à savoir quel jour on est. J'ai déjà oublié ce que j'avais fait sur scène. J'espère que c'était bien. Enfin voilà, c'était vraiment... Oh là là, la salle, ça y est vide. Oh, ça fait bizarre. Hein. Je vous jure, ça fait vraiment bizarre. Bon ben... Je suis pas obsédé avec tous les cadeaux de mes Jérémy Starlet. Je viens d'arriver les puces dans les locaux de ma production, dans tout ce qui est salle de réunion, bureau de la direction. On est venu poser tous les cadeaux, tout ça là, puis après on va partir en after show. Bon, petit after show tranquille, hein, ça va être un petit restaurant avec mes amis, tout ça, mais vraiment un très petit comité. Et alors c'est trop marrant ici à la prod, je découvre quelque chose, je suis en train de comprendre.
D'où viennent ces pancartes? J'ai vu plein de pancartes comme ça. Fan de Jérém Star, on croit en toi, on t'aime. Il y a ça qui est partout ici, dans les locaux de ma prod. Et en fait, il m'avait fait une surprise. Voyez, c'était écrit, n'est pas au courant, il passera sans doute sur ton compte si tu postes avec le hashtag machin. Tout le monde a eu des pancartes comme ça, c'est trop marrant pendant le One Man Show. Et ben, je crois qu'il y en a vraiment partout. Attendez, je vais vous montrer. Et genre sur les vitres, on croit en toi, Jérém Star, on t'aime. On ne te lâchera jamais, Jérém Star humoriste. Il y en a mais vraiment partout, hein. Vous êtes hilarant dans cette production. Mais j'adore. Non mais vraiment, vous savez que ça me touche énormément de voir ça partout parce que ça veut dire que ma production m'aime et croit en moi. Ça sonne à mon interphone, ça me dit c'est le coursier. Je dis mais j'attends pas de coursier. On me livre des fleurs qui sont vachement belles d'ailleurs, putain, avec un petit mot avec mon nom. Alors on parlait des faux amis, et bien voilà les vrais amis. C'est la salopette qui m'a envoyé ça. C'est trop mignon. Et j'ai eu un petit doute au début, je me suis dit ça doit être la salopette, ouais. Vraiment, la déco est ultra canon, hein. Non mais c'est vrai, hein. Bienvenue chez Troy Official. On adore, ça va être trop cool les puces. J'ai choisi ce restaurant du coup, comme je vous disais, pour faire l'after show avec mes amis. Regardez vraiment, ça c'est un restaurant à Paris, mais vous avez vraiment pas idée. C'est canon. Et ma soirée a lieu ici, mon after show à l'Observatoire. Regardez, oh là là, c'est sympa. Ouh. Ça y est, il y a plein... Oh là là, j'adore! Vous êtes en plein préparatif, les puces? C'est génial! Grâce à Delphine de Briantine, à Sandy Cooking qui, à mon avis, va me faire encore un truc de dingue. Une pièce montée de bonbons et non pas un gâteau. Bah dis donc, Jérém, c'est sympa, cette petite, petite ambiance resto, là. Ouais, en plus, t'as vu, ça change les motifs et tout sur les... Canon. Les écrans. Et puis, bah, c'est une grande... Ah bah ça s'amuse bien en face. Oh là là, incroyable. Je crois qu'il le kiffe. Tout le monde qui se régale ici, hein. Regardez les puces, je suis réunie avec tous mes amis. Eh ben, ça bouffe par ici, hein. Les puces, regardez. Oui, vous allez me dire qui est ce garçon, je ne peux pas tout vous dire. Santé mon fût, merci d'être venu à ce One Man Show. Alors, est-ce que t'as aimé? J'ai adoré, c'est de mieux en mieux. Ça fait 4 fois que je le vois, j'ai adoré. Cette vidéo YouTube qu'elle a participé au spectacle. Bah c'est normal, c'était toi. Je peux pas vous en dire plus. Bon, alors sur les conseils de Pollux, j'ai pris un poulpe. Je vous cache pas que ça me fait un peu peur, hein. J'ai encore reçu des dick pics. Chevette. Alors non, alors Oh non. Franchement smoking hair. Non. Enfin sur scène.